5 000 téléspectateurs pour les productions TV. Bonsoir à tous. Jeudi, comme vous connaissez déjà, mon Francisco Pelletier Destin, jeudi, c'est premier numéro, nous disons premier sentiment pour l'émission Personnalité de la semaine. Côté Nabi pour nous présenter au homme public, que tout le monde connaît, mais moi, je ne sens pas assez de maturité pour présenter nos grands ça. Et je vais quitter le soin pour monsieur ça présenter. Bonsoir. Bonsoir Scoopy et bonsoir à tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui a regardé nous à travers de YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc moi-même c'est Edwin Parizon, je suis caprois et je suis venu dans une famille chrétienne et de prêtres, grand-père était père, papa était père, parrain était père, ma tante était prêtresse de l'église épiscopale et de l'église Saint-Paul d'Haïti. Donc moi là, à la disposition de Scoopy. Au programme ça que vous souhaitez qui va très intéressant pour mon cabinet. Je l'espère moi aussi. Et puis pour nous commencer d'emblée dans l'émission, Edwin, moi t'as aimé pour parler avec nous un petit détail légèrement sur en tant que PDG Fondation Zile. Vous pouvez résumer pour nous qui ça Fondation Zile, les objectifs et tout ça. Ma promesse, Scoopy, de l'opportunité ça pour nous parler rapidement et présenter Fondation Zile. Qui sont organisations à caractère binational. Ça veut dire que les gagnants ont une structure en République dominicaine et une structure en Haïti. Structure en République dominicaine, effectivement, les créer et bien avant structure en Haïti. C'est en 2005, en mai 2005, après des actes de violence qui étaient faits entre Haïtiens et Dominicains, suite à la mort dont Cambis et une commerçante dominicaine qui était les Maritza Nunes, te vin gagner en sorte de lever de bouclier contre communauté haïtienne qui vivent dans Atiopalma, qui sont communautés rurales de la zone du nord-est de la République dominicaine. À ce moment-là, nous vin dit qu'il est important pour que nous établissions une organisation, une plateforme qui peut travailler de façon permanente pour l'harmonisation des relations entre Haïti et la République dominicaine, pour la préservation de la paix entre les deux pays, pour la promotion de la solidarité et du vivre ensemble et de la convivialité. Donc, mission principale pour nous, c'est l'amélioration, le renforcement des rapports entre Haïti et la République. D'accord, et lui, en tant que PDG Fondation Zile, dis-nous, comment la relation du pays a marché de aujourd'hui? On dit que dans le formel, et nos relations entre deux gouvernements, c'est des relations harmonieuses. C'est des relations de coopération. Et cependant, dans le cadre de gestion de relations sérieuses, il y a quelques problèmes. Il y a un problème, par exemple, dans le champ migratoire, côté que nous pouvons avoir un accord migratoire réel et entre deux pays. Il y a un problème dans le champ commercial, économique, côté non plus pas un accord formel entre deux pays. Donc, en plus de problèmes sérieux, dans le cadre d'agenda bilatéral officiel entre deux parties, et il y a tout l'émergence en République dominicaine, donc c'est les groupes ultranationalistes qui ne sont pas trop favorables à ça que nous avons appelé la présence haïtienne ou la migration haïtienne. Malgré que migration présence ça, sont présence incontournable pour la continuation de la production agricole, de la production agro-industrielle en République dominicaine. Donc dans ce sens, il faudrait un dialogue de haut niveau pour régler la question migratoire, en fait, pour aider à ce qu'il y ait on vivre ensemble entre, premièrement, immigrants dominicains, immigrants haïtiens et nationaux dominicains, et deuxièmement, et les peuples d'Haïti et de la République dominicaine. Il est important pour les deux parties, pour vous comprendre que doit gagner une bonne convivialité à ces deux niveaux. Entre les immigrants et les nationaux, en République dominicaine, entre les deux peuples, et même en Haïti, tout bien des fois, longtemps il y a des problèmes du côté dominicain, ça a des répercussions sur la communauté dominicaine qui vit en Haïti. Donc, nous conjoint des amis dominicains qui disent qu'il y a des sangs en camionnette, il y a des gens insultés. Donc, il faudrait quand même qu'au plus haut niveau des deux pays, eh bien, qu'il y ait une prise de conscience et que nous finissons par mettre sur pied et on dit l'élaboration d'un accord qui nous permettrait d'assurer, de préserver la bonne convivialité.
Merci Edwin et pour l'éclaircissement que vous proposez pour nous. Dites-nous, PDG Fondation Zile, vous pensez que les relations sont beaucoup plus futures pour l'année 2018? On dit que pour l'année 2018, il y a un élément qui manquait. L'élément qui manquait, ça, c'est la relance des travaux de la commission mixte bilatérale. Commission mixte, bah, c'est un espace de dialogue bilatéral qui était créé en 1900. Alors, c'était lors de la visite du défunt président Préval et au président Balaguer, et je ne sais pas, en 1994, dans l'année Sayo. Et à partir de cette visite, nous venons gagner la création de cette commission et qui lui-même l'y occupait de tous les points de l'agenda bilatéral. Cependant, en plusieurs périodes, la commission mixte l'y rentrait dans une situation de veilleuse parce que, soit du côté dominicain, soit du côté haïtien, et tu as d'autres priorités qui fait que la commission n'est pas aussi effective. Donc, si, qui c'est le président Jovenel Moïse, ensuite nous devons, le président Danilo Medina qui est réélu. Donc, sous l'administration de ces deux chefs d'État, pour qu'on gagne la relance des travaux de la commission mixte. La commission mixte n'a pas qu'aux gens réunis. Donc, il faudrait bien que les deux chefs d'État, les deux partis, y ont mis d'accord pour une relance des travaux de la commission mixte qui est réellement important dans le cadre de continuation de dialogue entre les deux pays. D'accord. Et pour toujours sous question diplomatie, et le nouveau gouvernement pour nous là, et CIAN, Jovenel, comment vous pensez vous relations? Est-ce que vous pensez que vous avez, comment vous avez dit ça, vous pensez qu'il y a un changement qui peut être par rapport avec le nouveau gouvernement sous question migration, migratoire de pays ça? Bon. On dit que nous pouvons sentir changement sur le plan migratoire, mais il y a eu quand même un changement, bon, premièrement un changement à la tête du gouvernement, au bon nouveau Premier ministre. Ou bien un changement et en ce qui a trait à la coordination et des relations internationales d'Haïti, parce que c'est le président, c'est le chef de l'État qui est vraiment le chef de la diplomatie. Donc, mais chef d'État lui-même, il a gagné un ministre des affaires étrangères et ce ministre et on dit son nouvelle figure et même là son diplomate de carrière il était fait partie de la représentation internationale d'Haïti à différents niveaux et il était dans l'organisme multilatéral, il était dans relations bilatérales, dernier poste qui c'est et à Londres. De toute façon, et c'est quand même un nouveau signal que vous gagnez en nouvelle personne responsable de la gestion des relations internationales d'Haïti sous le leadership du président de la République. Donc à ce niveau, et face à la République dominicaine, il faut souligner en faveur du chancelier, et actuel chancelier Edmond Boschit, et c'est lui qui nous représentait à l'OEA lors de la crise et qui devine surgir à partir de la décision du tribunal constitutionnel de la République dominicaine, ça s'appelait l'arrêt 168-13. Donc, l'actuel chancelier, en tant qu'ambassadeur représentant d'Haïti à l'OEA, a gagné la grande responsabilité de gérer cette crise au Conseil permanent de l'OEA. Donc, ils sont multi-compte dossier, donc nous sommes totalement convaincus que la dernière possibilité pour relancer le dialogue avec la République dominicaine et pour atterrir vraiment sur des points importants de l'agenda bilatéral. D'accord, M. Parizon. Sur le plan économique, comment pourraient deux relations, deux pays saillants, à bouger? Et par exemple, nous toujours entendons le haïtien travail, on dirait par une loi qui respectait des fois mon enfant de travail, faire une journée de travail, du fait que les parents pièce ou identifier. Ils ne sont pas touchés et ça a l'air pour moi ou si c'est 15 ans. Quand même, explication. En effet, il y a ce genre de situation et que plusieurs organisations de droits humains, dominicains ou haïtiens, dénoncent. Nous avons tous des cas, côté que des compatriotes qui travaillent dans un chantier de construction, et puis au moment où ils recevoir paye et pour travailler que exécuter, soit que l'ingénieur a décidé de relayer
les services de l'immigration dominicaine pour refouler vers Haïti. Donc, ces cas existent. Mais sinon, là, nous niveau beaucoup plus macro, et en ce qui a trait aux échanges économiques entre Haïti et la République dominicaine, bon, jusqu'à présent, nous connaissons que la balance commerciale là, ligue favorable à la République dominicaine. Donc, il nous faut, en Haïti, développer toute une stratégie pour que nos produits, et produits qu'on a exportés même vers les États-Unis, nous conseillons des produits, on ne connaît pas, si nous avons la possibilité de parler de produits sérieux, est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est publicité qu'on a fait pour entreprise ça ou bien pour produire ça, mais de toute façon, et nous connaissons que Haïti a exporté différents produits vers les États-Unis et qui, juste à côté là, nous avons fait que produits sérieux pénétrer sur le marché dominicain. Probablement, et parce qu'il y a des secteurs qui toujours eh bien, à promouvoir une sorte de protectionnisme dominicain. Donc, il faut que notre diplomatie ait développé toute une stratégie, un plan d'action pour aider nos exportateurs, nos producteurs, eh bien, à mettre vers le marché dominicain et ses produits haïtiens et qui sur d'autres marchés déjà. Donc là, il y a un bon travail à faire. Mais Fonka dit tout. Que sur le plan économique, Haïti peut aussi continuer à attirer des investissements de la République dominicaine. On voit une expérience très intéressante qu'a fait avec le groupe Codevi, avec Codevi, le groupe M, son groupe entrepreneurial de Santiago, qui mettait sur pied une entreprise et de zone franche à la frontière à Darabon, à Ouanamène Darabon, et qui jusqu'à présent nous voit que, eh bien, projet ça a. Et initiative ça, il marchait avec succès. Donc, son bagage que nous sommes capables de répliquer dans d'autres points frontaliers, c'est pas seulement la Gabon, mais nous sommes capables de répliquer tout à Elias Pina, Belader, ou bien à Pédernal, en Sapitre. Donc, et nous sommes capables de faire toute une offensive vers d'investisseurs, soit dominicains, soit étrangers, qui installent en République dominicaine et cap chercher bénéficier. Donc c'est des accords que nous-mêmes nous signons, soit avec les États-Unis, soit avec des pays européens. Et donc c'est des alliances qui créent et qui sont profitables à Haïti. Donc là encore, c'est son domaine, son aspect sur lequel la diplomatie haïtienne travaille de façon intense afin de promouvoir nos intérêts et de faire de telle sorte que la gestion des relations avec la République dominicaine, soit une gestion profitable aux intérêts d'Haïti. Donc, toujours ce même sujet, c'est que nous avons coupé. C'est bien coupé. Et Philippe? La 4D. Allez-y. Et donc, toujours sur la même question que nous avons débattu là sur l'économie, pays, Haïti, République dominicaine. Moi, je crois que au cas de stade et tout, nous avons une relation Haïti avec la République dominicaine, une relation dominant-dominé entre deux pays, ça y est, toujours sur le plan commercial. Et si toutefois la frontière est arrivée fermée, comment est la situation pour, soit pour Haïti, soit pour la République dominicaine? Qui est-ce qui a fait plus pire d'accord? On dit que, moi-même, mon mot que nous toujours utilisons à la Fondation Zile, qui c'est l'interdépendance. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants parce que la République dominicaine, et ça c'est un élément qui force nous, mais que nous pas trop utiliser dans nos dialogues et nos échanges avec la République dominicaine. Nos compatriotes qui constituent une main d'œuvre incontournable, mais sont force liées. Sont force liées pour nous. Parce que c'est un bon travail à faire. Mais Fonka dit tout que sur le plan économique, Haïti peut aussi continuer à attirer des investissements de la République dominicaine. On voit une expérience très intéressante qu'a fait avec le groupe Codevi, avec Codevi, le groupe M, son groupe entrepreneurial de Santiago, qui mettait sur pied une entreprise et de zone franche à la frontière à Darabon, à Ouanamène Darabon, et qui jusqu'à présent nous voit que, eh bien, projet ça a. Et initiative ça a marché avec succès. Donc, son bagage que nous sommes capables de répliquer dans d'autres points frontaliers, c'est pas seulement la Gabon, mais nous sommes capables de répliquer tout à Elias Pina, Belader, ou bien à Pédernal, en Sapitre. Donc,
et nous capables de faire tout ton offensive vers d'investisseurs, soit dominicains, soit étrangers, qui installent en République dominicaine et cap chercher bénéficier dont c'est des accords que nous-mêmes nous signons, soit avec les États-Unis, soit avec des pays européens. Et donc, c'est des alliances qui créent et qui cap profitable à Haïti. Donc là encore, c'est son domaine, son aspect sur lequel la diplomatie haïtienne travaille de façon intense afin de promouvoir nos intérêts et de faire de telle sorte que la gestion des relations avec la République dominicaine soit une gestion profitable aux intérêts d'Haïti. Donc toujours ce même sujet, c'est que vous coupez, c'est déjà coupé. Et Philippe? Regardez. Allez-y. Et nous, toujours sous même question que nous avons débattu là sur l'économie, pays, Haïti, République dominicaine. Moi, je crois que, au cas de constater tout, nous avons une relation Haïti avec République dominicaine, une relation, nous sommes capables de dire, dominant-dominé, entre deux pays, ça y est, toujours sur le plan commercial. Et si toutefois, la frontière là est fermée, comment est la situation pour soit pour Haïti, soit pour la République dominicaine? Qui est-ce qui a fait plus pire d'accord? Elle dit que, moi-même, mon mot que nous toujours utilisons à la Fondation Zile, qui c'est l'interdépendance. Nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants parce que la République dominicaine, et ça c'est un élément qui force nous, mais que nous pas trop utiliser dans nos dialogues et nos échanges avec la République dominicaine. Nos compatriotes qui constituent une main d'œuvre incontournable, mais sont force liées pour nous. Parce que la production agro-industrielle de la République dominicaine dépend, on dit, en grande partie, pour ne pas dire totalement, de cette main d'œuvre haïtienne. Vu l'émigration dominicaine vers d'autres destinations, Porto Rico, États-Unis et d'autres pays, et pour y a même Chili. Si frontière est fermée, eh bien, c'est les deux parties qui pourraient le perdre. Parce que en République dominicaine, il y a des compagnies, particulièrement dans la zone du nord de la République dominicaine, à partir de Santiago jusqu'à la frontière, où il y a plusieurs compagnies eh bien, qui dépendent totalement des ventes, des échanges commerciaux avec Haïti. Donc, on dit que production compagnie Sayo, et probablement et 70% de production dédiée au marché haïtien. Donc, il y a des pertes énormes de ce côté-là. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des petits problèmes, il y a des petites crises, tensions à la frontière, eh bien, c'est les opérateurs économiques de la République dominicaine qui toujours, après l'amoué, et qui toujours demandé pour qu'il y ait un dialogue rapide afin que la situation retourne à la normale pour que les échanges soient capables de faire sans problème. Donc, du côté haïtien, nous dépendons tout de l'eau. Donc, si frontières fermées, eh bien, des produits d'usage, des produits de première nécessité, et nous avons 42 produits sérieux avant que n'arrive à faire venir d'autres lieux et qui ont coûté plus cher. Donc, il y a des communautés haïtiennes dans toute la ligne frontalière de plus de 370 km de frontières, mais qui dépendent totalement. Même pour y acheter une glace pour maintenant jouer ou bien le monde bleu, ils dépendent de l'autre côté de la frontière. Donc c'est le cas de la communauté et des Ansapitres. Et nous connaissons qu'à plusieurs fois, il y a des situations de tension entre communauté Ansapitres ou bien Pédernal. Donc leur frontière fermée, eh bien, ça a affecté la communauté haïtienne, là, mais en même temps, tout, ça a affecté les producteurs, les commerçants, les vendeurs de Pédernal qui, Jean Dantin tout à l'heure, elle dépend du marché que représentent nos compatriotes à la frontière. Donc, c'est son bagage qui a perdant-perdant. Il va gagner, non, la perdant-perdant. Donc, et c'est pour ça que nos dirigeants, ils doivent faire tout ça que vous connaissez pour que le dialogue soit renforcé, pour que nous arrivions à solutionner les problèmes de New York et à l'amiable. Et ouvrir beaucoup plus de voies de coopération et renforcer les échanges à tous les niveaux entre nos deux pays. D'accord, merci Edwin. Edwin, et que nous, ça c'est nous avons fait émission, en tant que diplomate et directeur PDG Fondation Zile, si toutefois, bon mot pour t'envie à ajouter que nous n'avons pas de chance, posez une question sur les centres.
Elle dit que la bonne convivialité, hein, le vivre ensemble, nous devons continuer à renforcer entre Haïti et la République dominicaine, tout en travaillant sur les problèmes pendants, tout en cherchant des solutions sous, et, par exemple, des situations de violation de droits humains, des situations de tension à la frontière. Donc, il faut que nous cherchions des solutions pour eux. Mais la République dominicaine et Haïti, nous sommes destinés, nous sommes destinés à continuer de vivre ensemble sur cette île et son île bénie par Dieu. C'est un souhait. D'accord. Et que vos souhaits, vos messages pour la population haïtienne et pour le bord de paix. En effet, c'est une situation qui frappe nous, et surtout que nous avons pile d'amis dans la zone là. Et donc c'est pour la deuxième fois qu'Haïti est frappé par un séisme important. Et ça fait 8 ans que c'était Port-au-Prince qui était frappé, mais fois ça, c'est toute la région du Grand Nord qui frappait, et ça met des deuils, car pile famille, ça met des tristesses dans tout pays, hein, dans toute société haïtienne. Hein. Donc toute notre solidarité vers les familles et personnes affectées par situation ça. Hein. Et quoi que nous t'apprenons, on sait des leçons du tremblement de terre de 2010, malgré que jusqu'à présent, il y a des vestiges, et même là, à Port-au-Prince, on voit des vestiges du tremblement de terre de 2010, mais faut que journée je dis, hein, nous mettons dans la culture de vie quotidienne nous, cette réalité que nous vivons sans îles qui traversées par diverses failles et qui, à n'importe quel moment, eh bien, nous sommes capables de faire face à un tremblement de terre. Donc, en même temps que nous saluons ces familles affectées, mais nous ne sommes pas capables de reconnaître ce travail permanent, systématique, et dont nous sommes ingénieurs tout petit, qui est passé pratiquement toute ville, eh bien, l'a essayé de sensibiliser la société haïtienne là, sur cette réalité. Et définitivement, son exemple à suivre, et nous devons continuer à éduquer les jeunes, éduquer toute la population, hein, pour qu'ils connaissent comment ils doivent conduire, comment ils doivent comporter face à tremblement de terre, leur arrivée, parce que c'est réellement imprévisible. Jean Abdi, Jean, ingénieur Abondil, c'est pareil pour nous parler. Pas une fatalité, c'est pareil pour nous parler. Merci, avec plaisir. Je vais vous accepter ensemble avec nous. Voilà, amis téléspectateurs, pour l'introduction TV Reportage La Caille. C'est comme ça, ambiance l'entrée ensemble avec diplomate nous, Edwin Parison, qui t'a parlé nous de relations de pays, ça y est, disons, République Dominicaine et Haïti. C'était premier sorti nous, c'était premier invité nous qui était répondre présent à l'invitation. On dit nous rester à l'écoute pour nos prochaines émissions.